d'être magané. Bon, allez, ce que je suis dessus. Ma tête m'aurait trop tourné, je commence à avoir de bête. Ouais, allez donc, mon curé. On a des kills à veiller. On a vu l'homme, on a vu nous. On est rappé, on verrait de ça. On est rappé, on verrait de ça. Savez-vous qu'est-ce qui est venu avant, vous autres? L'œuf ou la poule? Je connais un gars qui a développé un programme de philosophie pour enfants. Ben, faute d'enfants, ça pourrait peut-être marcher avec des poules. Venez-vous-en, on fait une communauté de recherche. Tout le monde ensemble, let's go. En cercle, j'ai dit. Ici. OK. Lui que je veux vous parler de, s'appelle Matthew Lipman. Né au New Jersey, à Vinland, le 24 août 1922. Il est mort à West Orange, le 26 décembre 2010. Il était philosophe, pédagogue, logicien, chercheur, et surtout initiateur de la philosophie pour enfants. Ses travaux visaient à promouvoir un enseignement généralisé et adapté de la capacité à penser par soi-même. Il était très inspiré par John Dewey puis Charles Sanders Peirce. Non, pas le KFC guy, inquiétez-vous pas les filles. L'objectif était de susciter la pensée rationnelle et créative à travers des ateliers de discussion à caractère philosophique, comme qu'on va faire, nous autres. Sa méthode était soutenue par des romans philosophiques puis des manuels d'exercice. Il y a des travaux plus théoriques comme Philosophy in the Classroom puis à l'école de la pensée. Actually, je crois que je l'ai ici. Viens de participer avec les autres, là. Faut que vous restiez tous ensemble, là, parce que Lippmann disait que c'était une conception constructiviste, même voire socio-constructiviste, là. Fait que tout le monde ensemble, on va travailler en groupe. Fait que dans l'école de la pensée, c'est surtout développer la pensée critique et la raison ou la raison chez chaque individu. Mais c'est une approche pragmatique. Ça veut dire que les théories, il faut qu'elles soient concrètes sur le terrain. Il faut qu'ils se mettent en œuvre sur le terrain. Non, voyons donc. Ça, c'est un sophisme, un appel à l'autorité. C'est pas parce que tu vas citer des poules célèbres ici que ton jugement est bon. Tous les animaux sont égaux, mais il y en a qui sont plus égaux que d'autres. Qui est-ce qui a dit qu'on pouvait pas faire nos devoirs en travaillant? Hein? Et ma tante pis les mononcles, ça aime sonner au spectacle. Taper les mains avec tout le monde quand ça vient la fin de la semaine. Les mononcles pis les bédaines, les matantes les permanentes sortent pas souvent de la maison. Fait qu'on leur chante une chanson. Day, day, day.